L'opérateur économique, Niamh Anguès sans Raoul Thibault, a offert, le dimanche 17 avril 2022, du matériel biomédical au dispensaire rural d'Alongo. Les 13 localités de la sous-préfecture d'Anoumaba, dans le département de Mbato, se sont retrouvées, le dimanche 17 avril 2022, dans le village d'Alongo, pour célébrer, dans l'allégresse, en présence du préfet du département de Mbato, Binaté Lassina. Cette fête a été marquée par l'acte fort posé par l'opérateur économique, Niamh Anguès sans Raoul Thibault qui a fait un don au dispensaire rural d'Alongo. Il s'agit de matériel biomédical composé de lits d'hospitalisation électrique, de tables d'accouchement, de tables de soins, de fauteuils roulants, de matelas, de supports de perfusion, d'une valeur totale de 7 millions de FCFA. À ce don, s'ajoute la rénovation du dispensaire qu'il a effectué et les travaux du préau de cette structure sanitaire qu'il a presque achevé. Les remerciements du donateur à la mutuelle d'Alongo. Le donateur a remercié la mutuelle de développement d'Alongo qui a accepté qu'il apporte sa contribution pour rayonnement du département. Il a aussi exprimé sa reconnaissance et sa gratitude à l'ONG américaine Chambry Garden qui l'a soutenu. C'est une fierté, en tant que jeune cadre, d'être pragmatique en identifiant les besoins des parents pour apporter une solution. Ce geste posé, concernant le dispensaire d'Alongo, s'inscrit dans notre vision d'accompagner SEM le président Alassane Ouattara dans sa politique sanitaire, a déclaré Niamh Anguès sans Raoul Thibault, non sans lancer un appel à l'union de tous les cadres d'Anoumaba pour développer leur localité. Notre mouvement a réussi à fédérer 3 associations de femmes, en tant que président du mouvement Anoumaba Tiemelekro avant tout, il s'est réjoui des premières actions de développement réalisées dans le village d'Alongo. Notre mouvement a réussi à fédérer 3 associations de femmes, à savoir l'association des femmes dynamiques, celle des commerçantes et des femmes battantes, qui se sont reparties les tâches en ce qui concerne l'environnement. Anoumaba Tiemelekro avant tout est un concept d'union autour du développement, a-t-il fait savoir. Le geste du donateur a été très apprécié par l'infirmier Cassie Noël qualifiant l'acte de salutaire pour le dispensaire. Un bâtiment de 6 classes réhabilité au-delà de cette action d'envergure, la mutuelle de développement, dirigée par Eouman Kakou, a profité de cette journée pour remettre les clés d'un bâtiment de 6 classes de l'EP d'Alongo réhabilité par les cadres de la localité et baptisé cette école primaire du nom d'Aliko Amoa, l'un des directeurs de cet établissement, entre 1972 et 1988, qui a marqué le village. Lire aussi Côte d'Ivoire / Anoumaba, Mbato, Nanan et Teuyao 2 confirmé dans sa fonction de chef du village. Il a aussi lancé l'extension du lotissement d'Alongo. Enfin, la dernière activité de cette journée a été la remise de l'arrêté du chef, Nanan aka Kofi, par le préfet du département de Mbato, Binaté Lassina qui s'est réjoui des efforts consentis par les cadres d'Alongo pour le développement de leur village. Il les a exhortés à continuer dans ce sens afin d'améliorer les conditions de vie de leurs parents. Il a également remercié Niamh Anguès sans Raoul Thibault pour l'important don au dispensaire et a demandé au chef d'être un guide pour le village. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.